now into our into our last panel. So I would like to introduce our female panel. So that's very extraordinary. So at my extreme right, we have Annelien Stretemans, Global Legal Director for Competition at AB InBev, so the big brewer. Just to my right, we have Amandine Jacquemot, who is a senior antitrust counsel at EDF, the French electricity company. At my extreme right, we have Esther Bitton, who is head of antitrust at Casino, which is a huge supermarket chain. And last but not least, at my right, we have Hélène Millenaar, who is the director for competition at Nourion in Amsterdam. Nourion, for those who don't know, is a spin-off of Akzo Nobel, if my recollection is correct. So we will have a very practical panel. That's the game in this conference that we finished, not totally finished because we have a wonderful story afterwards, but we finish with a very practical discussion among in-house lawyers with respect to the challenges they are facing as competition lawyers, because being a competition lawyer in a company is not the same thing as being a corporate lawyer or an M&A lawyer. So the challenges are pretty difficult, difficult possibly, so I don't know. So we will try to address three subject matters today. I don't know whether we will achieve that target. We will first speak a little bit about gun jumping. We avoided asking Madame De Silva this morning questions about gun jumping because I think she's fed up with these questions. So we'll have a very practical discussion about how to deal with these issues when you are in-house counsel. We will also speak about documentation and information to be provided to competition authorities, especially in multi-jurisdictional mergers, where you have very burdensome document productions, you have burdensome requests for information, and how you maintain coherence, consistency, and veracity on these supplies of information. And finally, if we have the time, we will try to speak a little bit about remedies and when in a merger procedure, you start discussing remedies with operational people and how you treat these issues, because operational people, as we know, always think that the transaction does not raise any issue and should be completed very fastly. So maybe we start with gun jumping. I take it that everybody in the room knows approximately what we are speaking about. In very short, it's a double-sided issue, gun jumping. It's a completion before you get authorization of a competition authority when you have a merger filing, which is required. So it's in two parts. Either you can execute already the transaction before approval, or you can also have ways of influencing or controlling the target, having provisions for authorizations on certain actions of the target during the process between signing and closing, which raises very interesting issues and which has been very severely sanctioned by competition authorities. And it raises also the issue about sensitive information exchanges during the due diligence process or during the preparation of an integration process. In short, the issue is obviously much more complex, but that's in short, I think, what we are speaking about. And so maybe in starting with Esther,
How do you deal with these issues at Casino? I know you are doing an enormous amount of acquisitions all over the world. And so what have you put into place in order to deal with these issues? This question is for everybody on the panel, obviously, so we will do a little bit a turnaround about how you deal with those issues. Merci. Mais de notre côté, déjà, je pense qu'il faut, une remarque un peu préliminaire. Compte tenu de toutes les contraintes qu'on a, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a une forme d'externalisation de la décision dans le process de due diligence. Puisqu'en fait, à chaque fois que vous avez besoin, finalement, d'avoir une information qui vous permet de former la décision, la réponse des conseils, à la fois internes et externes, c'est « Mais pourquoi tu ne mettrais pas en place une black box ?» avec un conseil extérieur à qui tu demanderais de regarder les informations, qui les agrégerait de façon très importante, qui te donnerait un rendu quasi inexploitable, et puis avec qui tu te mettrais d'accord sur l'intérêt ou pas d'y aller. Donc moi, c'est une première remarque très générale, c'est que je constate une forme d'externalisation de la décision en raison des contraintes qui s'imposent à nous qui se sont toujours imposées à nous, mais en tout cas qui ont été clarifiées, dont les sanctions sont extrêmement élevées. Le sujet est pris tellement au sérieux dans notre groupe que c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, on est amené finalement à avoir un recours très important à des conseils extérieurs. So just very short, what Esther is saying, that in application of the clarification which have been brought by the Altice decision in France especially, and also the European Commission decision, although this one was a little bit less stringent in that respect, is that due diligence process is really transferred to external advisors, which do a sort of report, which is not very useful, if I understand it well. And so the decision-making process starts to go outside of the Casino company because people are so afraid about the consequences of the Altice decision. I hope I summarized it well. So I don't think, Hélène, that you go so far. No, we don't. No, we have an internal process if we acquire or if we divest a company, where we obviously first assess whether it's a company that competes in any of our activities, and if so, then we'll make sure that if there is a due diligence process, that we carefully arrange it in such a way that it's compliant. So we. We'll have a data room. There will be restricted access for certain people within our company that will view the information. And there will, in most cases, also be a clean team, which can be composed of several persons. Sometimes it's mainly legal advisors, but sometimes it's people from a business that is complementary to the business that we are looking into. Sometimes we think about appointing externals as clean team members if it concerns really sensitive data that needs to be reviewed, and then the reporting will be on an aggregated level back to our project team. So that's the way we structure it internally, and obviously there is a lot of guidance and help from the legal department around all this, because we want to make sure that also upfront people know what they can do and cannot do, so they also know how when to raise their hands. Amandine, how do you deal with this at EDF, and especially maybe with the question about outside advisors who look at sensitive data? I think about financial data, and how can you make a decision about the pricing of the transaction, if it's a bid process, or whether the data are correct and you know what you buy, if decision makers do not really have access to the detailed data? And I speak not about commercial data here, I speak about financial data, but also commercial data, because if you have contracts, it has a value. If you buy a contract and you don't know what you buy, it's a little bit maybe a problem.
Je veux dire que sur ces sujets, les décisions récentes n'ont pas radicalement changé la manière de faire. On est habitué à mettre en place les garde-fous qui sont nécessaires, mais avec le sentiment que voilà, les mois ont passé après les décisions Altis, on peut revenir vers une vision qui est assez rationnelle, voire presque positive hein, de ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et les décisions Altis, ça reste des décisions qui ont été prises à partir d'une analyse multifactorielle sur la base d'un faisceau d'indices et de convergence fortes. Et donc, voilà, chez EDF, ce qu'on en tire, c'est que ça reste une analyse au cas par cas et que ces décisions n'ont pas vocation à traiter l'intégralité des sujets individuels ou tout court qui n'étaient pas présents dans les faits de l'espèce. Et typiquement, sur votre question, Mélanie, on a l'impression que sur ces sujets des clean teams ou de l'accès à l'information, on reste bien sur la balance de plusieurs intérêts en présence. Et pour nous, ce n'est pas la seule manière de s'en sortir vivant devant une autorité de la concurrence que d'arriver avec des clean teams complètement externes. Il y a des voies de milieu qui nous paraissent possibles en fonction des dossiers qu'on traite. Et pour nous, évidemment, des problématiques horizontales ou verticales ou sans chevauchement n'ont absolument pas la même manière d'être traitées dans la manière d'encadrer les échanges d'informations. Il y a un point extrêmement important sur ces informations financières, voire commerciales, ou en tout cas financières aussi par rapport aux enjeux industriels hein, du groupe EDF. Et sur ces sujets-là, moi, ce que je constate, c'est que les conseils externes, que ce soit des banques d'affaires, que ce soit des avocats, d'autres conseils, parfois c'est eux-mêmes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas prendre position sur des sujets dont il ne faut quand même pas oublier que l'objectif est la valorisation d'une cible et l'évaluation des synergies qui peuvent en résulter. Et ça, je pense que voilà, il y a encore quand même une place pour considérer qu'il y a un sens à faire intervenir des gens de l'interne sur ces sujets les plus sensibles mais les plus impactants avec un objectif qui reste strictement attaché à son objectif de valorisation de la cible et puis voilà, protection du fonctionnement de la cible pendant la période intercalaire. Et je voudrais aussi ajouter que encore une fois, pour peut-être enlever un peu d'émotion qui a pu résulter des décisions de ces mois derniers, c'est que le vendeur a un intérêt propre et premier à préserver la confidentialité de ses propres éléments internes et que il est lui-même presque un des garants, en tout cas, de la confidentialité des intérêts de sa propre entreprise. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est plutôt une lecture presque positive de la marge qui reste encore possible, une marge évidemment qui est raisonnable, mais voilà, qui est aussi confortée par l'arrêt de la Cour qui, voilà, c'est quand même on reviendra là-dessus. So, Anneline, what are your views? I know you have a very, very, very extensive experience in that respect. And maybe just one point, what Amandine said is that at some stage it's the vendor who is also sort of guaranteeing that the acquirer, the purchaser, has not access to very confidential information. But what we also see now in transactions is that the vendor is so conservative about what the data he wants to share and about clean team agreements, which makes the process also pretty difficult. Yeah, I agree. I think my general position is that on gun jumping, there's been a very vivid debate lately, especially in the wake of the French decision, notably. But I think at the same time, we shouldn't be too alarmist because there's a lot of information that still can be exchanged. And I think every deal is unique in that way because, as Hélène already highlighted, the first question is the target actually your competitor or not? If it's not a competitor, then obviously the scope to exchange information becomes immediately much wider. Also, the stage of the deal that you're in,
the levels of access vary greatly. So in the due diligence phase, I mean, we as a large company, we have the luxury of having a big global M&A and finance team. They have nothing to do with the operation, so they assess targets in the same way that an investment bank would assess targets. So they can have access to a level of information that someone in the operations may not have access to purely for the valuation. And I think, Mélanie, the point that you're making is very valid, especially in that due diligence phase when no one has signed anything yet. Typically, what you would see is some sort of self-regulation among the parties because the target will be very reluctant to share commercially sensitive information with a buyer who may ultimately not, you know, sign a paper. So I think in the due diligence phase, I see the concern as less pressing. Obviously, between signing and closing, that's a different issue. I would say that actually the most challenging in some transactions is if you're dealing with a public takeover, because then apart from the antitrust restrictions on exchanging information, you have very strict takeover code restrictions on getting access to information. And in my experience, those are much more difficult to navigate than the antitrust restrictions, because with antitrust, ultimately, you can put a clean team around it. If you can't do it internally, if you have to go external, you can. With a takeover, I think it's a bit more difficult because then immediately you expose yourself as a potential bidder to interlopers who will have access to exactly the same information. So there's all kinds of other strategic implications of an exchange of information or access to information in a public takeover. Thank you. Maybe let's pass still on this in this global subject matter to the covenants and to the maintenance of the value of the target. As you know, the French Competition Authority has had a very stringent view about what sort of droit de regard you may have on the target, what sort of decisions the target is allowed take during the period between signing and closing, with or without approval of the purchaser. So how do you deal with those issues, especially when the process takes long? Because if we are in a short-term process, it's obviously not so so difficult, but I know we are facing for the moment a situation where not only the process takes long, but it's a very, very, well, the target is a company which is worldwide, which is doing small acquisitions, small sales, and so on. And we are representing the seller, and he's very, very concerned to have an issue at some times if he does not ask the purchaser whether he agrees with this divestment or an acquisition. And sometimes there are penalties in the memorandum of understanding about the divestment or the acquisition, because it's the two ways round. So how do you deal with those issues? Maybe we start with you, Annelien. Well, I find it very difficult to speak in general because every deal is mm-hmm. different. I would say in a big transaction, the uncertainty that comes with a period of review, that is, you know, where there's no fixed timing for getting your clearance, in my experience, hits employees at the target a bit harder than customers. And I think that it's very dependent on the industry, obviously. But so putting in place arrangements around how do you incentivize employees to stay with the business so that you don't have a massive leakage of know-how and talent, so that by the time you close, you actually have almost an empty box and all the key employees are gone. I think that is key. But luckily, that is usually something that authorities don't perceive as super sensitive, as in it's easy to put two HR teams together and figure out an incentive package that will work. I think for the other more operational concerns and leakage of value there is obviously a price adjustment mechanism that is often contemplated. We had a couple of deals where we have that, and I would say it's
it's effective, but it's very costly to enforce it, because then you end up with litigation after your deal that can run very long. It's also difficult to prove actually what the counterfactual would have been. So I would say it's not entirely watertight. But the key, I think, for a company is to just have clarity as to what clauses are now allowed and what clauses are not allowed. Because I don't have issues convincing my M&A team saying, this you can't put in an agreement, this you can, if it's very clear to everyone. But if I have to take a judgment call, obviously they will test me on, oh, is there a precedent? Then did an authority go after a company for having this? And there's hardly any precedents that say, okay, this is clearly not allowed, this is allowed. And I think that guidance would make lives of a company much easier. Because I don't think companies are in the business of doing things that they shouldn't. Yeah, you know that there has been a very strong debate in France with respect to the competition authority's decision, because people said, well, you know, this is a very stringent decision. And then some people from the competition authority said, well, you know, this is just a case, it's not necessarily, and so on, the new rules. And then there were discussions about guidelines. People were in favor, others were against, because guidelines, again, they fix things, so it's not necessarily the best solution either. And so the solution which was retained by Mrs. De Silva was to publish an article in Revue Concurrence, I think, and giving sort of interpretation of the Altis decision. And on these very, I would say, delicate issues about what you can do during that process, whether approval can be given and so on, she was in fact saying a little bit what you say, i.e., well, it depends, you know, it depends, it's a judgment call, you know, what the company is supposed to do is business as usual, and but what is business as usual, you know, is it business as usual from the perspective of the acquirer, which is maybe a huge company, and the target is not so huge. So what is the threshold? What is business as usual? So maybe Amandine, you can comment in that respect. Oui, absolument. Je pense que ma réponse va décevoir, mais peut-être quand même le vrai bon point, c'est que sur ces clauses des documents corporate, c'est au moins quelque chose que la direction juridique et que les conseils externes voient de manière extensive. Donc c'est pour moi, pas les zones sur lesquelles il y a le risque le plus fort, puisqu'il est maîtrisable, puisqu'il est vu. Donc ça, c'est peut-être la première bonne nouvelle pour les entreprises. Après, évidemment, le niveau de valeur qu'il faut déterminer, c'est un art extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, je crois qu'il voilà, il n'est pas question d'avoir évidemment un niveau en valeur absolue à partir duquel on puisse être complètement tranquillisé. Je pense que du point de vue des entreprises, ce qui est très important, c'est toujours d'être en mesure de justifier ce montant-là avec un niveau d'exigence dans la justification qui doit être proche de ce que pourrait nous demander une autorité si elle venait à nous poser cette même question. Et encore une fois, à partir du moment où on voit les choses et où on se pense les questions, je pense qu'on s'éloigne de plus en plus de la zone de danger. Peut-être avec un dernier commentaire, ces décisions-là, c'est en tout cas au niveau de la France, une décision sur les 1800 que connaît le contrôle des concentrations en France depuis qu'il existe. Donc je pense qu'il faut aussi être en mesure de remettre les choses en perspective et que les documents, enfin finalement, les choses ne sont pas si mal faites que ça, et le plus souvent, les documents corporate font leur travail tout en préservant la valeur dans un mix qui n'est pas contraire aux règles de la concurrence. Your views, Hélène, about the period between signing and closing and any approvals which are required on any actions of the, well, on actions of the target, maybe, and the determination between what is business as usual and what can trigger the approval of the purchaser. Yes, and I can only echo what Anne-Hélène said, and I guess Amandine as well, but that it's very difficult in practice, and especially being active or advising a company with global activities. Mm. There is some guidance in France and Europe, but there are definitely in a number of areas in the world no guidance materials, yeah, at all, and these might be the exotic countries that may start actively enforcing companies. So I think you
tend to see that lawyers will advise sometimes more cautiously than maybe is needed if you're in such a global transaction. Esther? C'est le fait que l'autorité française et la Commission se soient finalement exprimés les premiers et tirés, on va dire, assez élevés, finalement, ça nous pose c'est quand même un sacré souci pour les entreprises, parce que finalement, parfois, dans des juridictions qui, aujourd'hui, ont l'air d'avoir des politiques beaucoup plus légères, on est d'une certaine façon assez bloqué, parce qu'à la fois on est obligé de dire on ne sait pas ce qui va se passer demain, parce qu'en France il n'y avait pas de sanctions et puis d'un coup on a une sanction extrêmement élevée. Et par exemple dans des pays, j'en sais rien, la Chine, la Russie, où on pourrait avoir un judgment call finalement assez souple quand on regarde les décisions précédentes, aujourd'hui on est un petit peu bloqué. Et je pense notamment aussi au cas où vous pouvez très bien avoir une autorisation à demander dans un pays sans nécessairement opérer de façon concrète dans ce pays, ou sans que l'opération ait un quelconque impact dans le pays. Puis le pays, ça peut quand même être le dernier à rendre sa décision. Donc vous vous retrouvez bloqué dans vos opérations globales, parce que sur une juridiction mineure, dans laquelle vous savez pertinemment qu'il n'y a aucun effet, vous ne savez pas trop ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire. Donc moi, ce n'est pas la rédaction des covenants, finalement, qui me dérange. Je trouve que finalement, je suis assez d'accord avec tout le monde. C'est une pratique qu'on connaît, c'est assez fixé. Bien sûr qu'on se pose toujours la question du montant, etc. Mais j'ai envie de dire, on finit par trouver les bonnes justifications. En revanche, c'est l'aspect international qui est extrêmement, extrêmement bloquant. Si je peux me permettre peut-être une question pour rebondir sur ce que vous dites. Si vous avez par exemple un pays dans lequel vous faites une acquisition qui a un impact très important pour vous commercialement, mais dont par hasard vous n'êtes pas obligé de notifier parce que les seuils ne sont pas satisfaits, et que votre client interne donc souhaite avoir un droit de regard sur ce qui se passe pour les contrats dans ce pays. Comment appréhendez-vous cette problématique-là alors que dans ce pays, il n'y a pas de notification qui est requise ? J'avoue que j'essaye d'avoir une approche globale, c'est-à-dire de me dire où j'en suis aussi dans les autres pays. Avec aussi un autre élément important, c'est que, mais qui est spécifique un peu au secteur, c'est que l'alimentaire, finalement, c'est un secteur assez sensible, quel que soit le pays. La distribution alimentaire, moi je pense que d'ailleurs ici c'est souvent vrai pour l'ensemble des secteurs, mais bon voilà, il se trouve que c'est souvent sensible, et donc généralement, y compris dans les pays où on ne notifie pas, on a un contact. C'est quand même assez rare qu'on ait des opérations significatives sans prendre un contact, même quand on n'a pas d'opération, et généralement ça génère quelques questions, pas énormes, mais du coup, j'ai envie de dire, on rentre dans un process un petit peu informel qui fait qu'on est de toute façon vigilant. Merci beaucoup. Donc on va peut-être clore ce premier point de notre table ronde, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes sur ces points-là ? Non, donc tout ça a été très clair. I would now go to our second subject matter, which is the document production. As everybody knows, first, at least in Europe and possibly other jurisdictions, the notification form is requesting quite a lot of information which needs to be provided to the competition authority. And furthermore, and that's true for the US and other jurisdictions too, there are a lot of questions companies need to respond to, and documents which need to be provided after a request for information. And so I would like to understand a little bit more from a practical point of view how you manage these very burdensome requests for information. How do you ensure consistency of the documents you provide to the different competition authorities?
authorities, how you review the documents which are provided, and how you make sure, especially for documents coming from investment banks, consultants, tax advisors, and so on, that you do not have sensitive or unhelpful language in those documents. So just a little bit from a process point of view, how do you organize yourself in your departments in order to be ready and manage those pretty difficult situations, and which can give rise to, I think, a lot of problems during the process. Amandine? Alors, c'est le constat est partagé et la manière dont on se rend compte que c'est peut-être la bonne manière de l'adresser en interne, c'est de considérer que le chantier production de documents internes aux autorités de concurrence compétentes, c'est de considérer que ce chantier, il est un chantier à part entière au sein de l'équipe projet. Et ce chantier à part entière, il l'est parce que le travail peut être très long dans les dossiers complexes. On peut avoir plusieurs mois qui s'écoulent entre les demandes des autorités et la production de documents. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un travail de recherche et de collecte. Les informations, avant d'arriver bien rangées dans un classeur qu'on communique aux autorités, ils sont pas sur étagère. Il faut aller les rechercher dans les grands groupes, c'est dans les différentes entités, dans les différents métiers, dans les différentes filiales en France, à l'international. Et puis après, la longueur du travail, elle est évidemment présente puisqu'il y a un travail de cohérence et de pertinence à faire. Sur ça, il n'y a pas de miracle. Hein. Il faut, je pense, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous, les lire page à page. Et c'est pour ça qu'on a des task force qui sont vraiment dédiées à ça. Et puis, il faut voir aussi que, on évoquait les sujets internationaux, il peut y avoir en interne un travail de longueur supplémentaire qui est lié à un effet un peu psychologique, c'est que les opérationnels ou les gens du management peuvent avoir une réticence à communiquer des documents qu'ils considèrent comme éminemment confidentiels. Alors, c'est très facile de les rassurer quand on les adresse à l'autorité de la concurrence en France ou à la Commission européenne pour des autorités voilà, qui sont peut-être un peu moins indépendantes des pouvoirs politiques. C'est des vrais sujets qui se posent en interne. Et puis, une fois qu'on a collecté, trahié la pertinence, etc., qu'on les a communiqués, il faut bien savoir que ce n'est pas la fin de notre activité. C'est suivi de questionnaires extrêmement extensifs des autorités sur ses propres documents internes qu'on communique. Donc, c'est encore un délai à ajouter et à avoir en tête. Et ils ont généralement suffisamment de questions pour remplir des questionnaires entiers sur la production de ces documents internes. Et c'est peut-être sur ce point que je finirai. Je pense qu'il y a des choses à quand même garder en tête du point de vue des autorités. C'est que parfois, on nous demande des choses quand même qui peuvent être extrêmement compliquées. On nous a demandé de rapporter des preuves négatives, documentées, donc concrètement, que l'entreprise Z ne soit pas active ou n'ait pas de volonté de développement dans un pays Z sur un secteur Y. C'est quand même pas forcément des choses qu'on arrive à produire facilement. Voilà, je pense que dans la masse et dans la volumétrie des informations et des documents qui sont transmises pour les autorités, il faut pas perdre les messages essentiels. Ça revient également, Mélanie, sur votre point de les documents qui sont produits par les banques d'affaires ou par des analystes. Voilà, il faut faire attention au cas ou au sujet qui serait très isolé dans la masse de documents qui sont quand même convergents sur un message premier. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'en interne, il y a un travail qui est objectif, mais en même temps parfois cartographique de... pour notre management, d'avoir de manière très claire voilà, le fait qu'il peut y avoir des remèdes. Mais quand on dit ça, ce n'est pas forcément dire qu'on croit qu'il va y avoir des remèdes, mais c'est simplement que dans une cartographie de risque, c'est des choses qui doivent être en conscience pour nos organes de validation. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir surdimensionné ce genre d'éléments un peu isolés. Merci beaucoup. Vous avez peut-être un peu le contrôle sur vos consultants, mais pas nécessairement sur les consultants de l'autre partie non plus qui préparent les documents. Hélène, you got the questions when I asked them. So what are your views? How are you organizing this document production, verifying that everything is consistent, what you provide to the authorities? Do you have like ADF, a task force dedicated to the document management, or how do you deal with these issues?
No, we're not so professionalized, but maybe that's future music. I start every process, every M&A process within our company, asking for a dedicated person within the business that can help me in complex merger control procedures and all the additional information requests. Unfortunately, that has never happened because everyone is really busy and there simply cannot be one single dedicated person helping out. So that's already the first challenge that I face a lot of times. You also mentioned investment bankers. In my experience, I don't know whether the other panel members have the same experience, I really need to control our own investment bankers, because especially if we divest a business, they try to push as much information over the fence, because that probably has a good effect on the price. So indeed, what you say, I need to have a look at every documentation that is also drafted by the investment bankers and other external advisors. Not always easy. And then we have a process in place that indeed we come up with the most effective way of collecting information, making sure that it's consistent, but it boils down to a number of people sort of being in the loop on that. And there is again a risk, because then we are in control of our own sort of document creation procedure. But there is always the other side on the table where we don't have any control. So that is another challenge I face in my day-to-day and business. Do you do some training of your advisors in competition law? Because not everybody is a competition, I would say, is familiar with competition law issues, especially not with those issues. So are you having meetings with your investment banks, because you are not necessarily involved at the very early stage of a divestment, for example? Yep. And it's true that when they draft their teasers, they need to write it in a seductive way. So we are all facing the review of those documents. And I would say, we are not necessarily convincing when we say that being number one is not so great everywhere. How do you deal with those aspects? I haven't trained them yet, but that was my sort of internal list. Promise. If there is a big next deal, that will be one of the first steps that I'll take to take them by the hand, because my experience is that they don't have any antitrust experience. So they don't know how to create documentation in a sort of antitrust competition law compliant way. If I tell the arguments where I'm coming from, it's pure ignorance that I meet. And this is what they do all the time. So every time I'm surprised that it's such an unknown area for them. Yeah, I agree. Yeah. Esther? Comme Hélène, en fait, c'est assez artisanal. On n'a pas du tout un système aussi, qui a l'air aussi développé que ce qui peut exister chez EDF. Donc c'est complètement artisanal. Je suis d'accord aussi qu'on est face à nécessairement des conseils qui sont là pour finalement faire leur métier. Donc je dirais que c'est essentiellement du contrôle a posteriori. Il y a un peu de guidelines a priori. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de très rapidement sortir des lignes directrices et des règles à suivre, pour qu'effectivement, on soit sûr que tous les documents, à un moment ou à un autre, arrivent dans notre boîte mail, j'ai envie de dire. Et puis on subit un petit peu, finalement, le flux qui vient. Another aspect which I think has triggered some concern is how to make sure that when we respond to requests of information, and independently of the documents, but if we need to give qualitative answers, whether we ensure as lawyers that what the business tells us is true. And I'm obviously thinking about the Facebook WhatsApp sanction, which was imposed by the European Commission. So it's one case, obviously, but I think more and more
we need to make sure that what we tell the authorities is true. And also, you know, if you have different business units or geographic regions involved, you do not necessarily have the control far away what people want to tell the authorities. So how do you manage this? I guess it's probably similar to the document management, but on the other hand, you know, you cannot have the people swearing on the Bible that what they tell you is correct. So how do you deal with truthfulness of the information you will send to the authorities? So I think there, I would say there's two types of information to respond to that question. I think one thing is information or questions that you get from authorities where there's no single truth out there. And I would say that relates to all kinds of questions around who do you see as your competitors? Where do you see the market evolving? Even what do you think will happen after this transaction? It's very difficult to find a single source of truth to respond to those questions. And I think that's sometimes something that I think on the in-house side and also on the authority side, lose sight of, that people have different ideas also within the same company, definitely if you speak to other stakeholders, and they can all be right and they can all be wrong, but it's very difficult to respond to questions like that and be 100% confident that what you're saying is actually right. Now, obviously another thing is purely factual questions where it's clear that there's just a right or wrong answer. I think how we deal with that is I always tell our business people that responding to a factual request for information by an antitrust authority has to be taken as seriously as any sort of financial reporting that we do internally. And so it comes with grave consequences if we misreport to an authority. And when you say that, at least for us as a listed company, that's something that rings very true. People immediately understand the gravity, and if they don't feel comfortable in the figures that they are producing, they will check it off with other people. We will usually have rounds where we probe the figures, and then obviously we will qualify the figures and explain very clearly where we got them from, how we calculated, and all that, so that we can always trace them back. And I think that's the biggest safeguard, because if then even in the future or in several rounds of RFIs or in different jurisdictions, if you would get to a contradiction in your figures, you can always explain that there was a different methodology used or a different FX rate used, or then you can explain it. We haven't really had situations where that was a major issue for us. But you know, I'm just responding to this fact because I was personally very surprised to hear, you know, that for example, General Electric, which is very well organized, has a huge competition department and so on, and got a statement of objection for wrongful information. So you are not guaranteed at all, even in having a very competent antitrust team and obviously very good antitrust lawyers helping you, but you are just not you can just not avoid these situations at some stage. So Amandine, what are you doing at ADF? You have people swearing on the Bible. C'est un vrai sujet. Je pense que Anne-Line en a dit déjà beaucoup. L'important, c'est que les gens à qui on s'adresse aient une conscience extrêmement claire des enjeux qui sont derrière. Je pense que sur certaines des questions les plus sensibles, il faut savoir s'adresser au plus haut niveau de la chaîne de responsabilité pour avoir une vision dont on puisse être certaine qu'elle est globale, maîtrisée et évidemment la plus juste possible. Ça, c'est une première manière de faire. Et puis la seconde, c'est évidemment ce que disait Aileen, c'est d'avoir un challenge au quotidien des informations qu'on reçoit dans un processus de merger control en interne. Et généralement, quand on fait le travail, déjà soi-même, d'être sûr de l'avoir bien compris, bien analysé, etc., que ce soit des informations quantitatives ou qualitatives, généralement, c'est ces fameuses discussions internes que mentionnait Aileen qui peuvent s'ouvrir et voilà, qui nous permet de garder un niveau très raisonnable de maîtrise sur les informations. Mais on fait au mieux, je crois que c'est la seule réponse qu'on peut donner. Hélène ?
Yes, again, it's the same, that it poses challenges, but that we try to arrange it in such a way that it, that there is the method that was being used is archived, so you can fall back on that. A challenge that I see there is that, on the other hand, we are faced with many requests for information in mergers or acquisitions that we are not involved in ourselves, but that we are being reached out as competitor or customer or supplier, and those are floating around to people. I try to sort of make sure that whenever we receive a request, it lands on my desk, but yeah, it's not a given that that happens. So people out there in other parts of the world in the business may give answers that are not helpful if a competition authority looks back in their system or archive and see that there are also other ways of looking at the market. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est les cas où en fait on nous demande quelque chose dont on sait qu'on l'a pas vraiment. On finit par tout le monde nous répond, mais on sait pas. Puis on finit par dire oui, mais on sait pas, mais il faut donner quelque chose. Et c'est ces situations, en fait, je trouve que les autorités sont assez pousses au crime parce qu'elles exigent une réponse. Quand on leur explique qu'on sait pas, elles disent bah en gros qu'elles trouvent ça moyennement crédible. Donc on se retrouve nécessairement à faire un peu des calculs que j'appellerais des calculs de coin de table. Alors bien sûr qu'on met tous les garde-fous, j'ai envie de dire, rédactionnels, mais c'est ces situations-là qui me gênent le plus, où je trouve que voilà, la position des autorités est assez difficile à comprendre, parce que voilà, il y a certains indicateurs qu'on ne suit pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne fait pas de l'économétrie au quotidien. Et donc, il y a un certain nombre de choses voilà, qu'on ne sait pas faire et qu'on finit par faire sous la contrainte. Donc, c'est surtout sur ces éléments-là que je suis particulièrement mal à l'aise de finalement forcer les opérationnels à s'engager, alors que finalement, ils ont pas tous les moyens de garantir les résultats qu'ils donnent. Maybe we speak very rapidly about our third subject matter, which are remedies, and not so much. I don't think it's so interesting to speak about what sort of remedies you can give and when you give the remedies, because this is really so peculiar from one case to the other. It's more on the basis of a question of principle, i.e. when you have a merger with overlaps and you end up in certain of the markets with pretty high market shares, and so it's not totally irrealistic to consider that maybe some remedies will be necessary. So how do you proceed to give this sensitivity to your decision makers and operational people, that they need to think about it, that they need to take it into consideration with respect to the negotiation and the impact on the price it could have? So how do you manage to make operational people being receptive to the issue? Maybe Hélène, you want yes. to start? Thank you. Yes, that's again being transparent and work with a very professional M&A team. So they will make sure that if there is a possibility that a remedy needs to be submitted to an authority, that they are aware of it and can take it into account when they negotiate with the other party. What we do is definitely look at if it is a potential complex transaction, look at, is there a possibility of a remedy, how will the remedy look like? But I haven't seen, I've been involved in transactions where we've sort of fleshed out a remedy into detail way at the beginning, so that's more going during the process, and then you have the contacts with the business people and they can also sort of see where it is heading, the investigation. So that's how we deal with it. So Esther, how is your CEO reacting when you tell him he needs to remedy an issue? Disons que nous on sait qu'on a des marchés locaux. On le conteste toujours un petit peu, mais on finit par c'est entré finalement dans la pratique. Donc on a en fait, moi mon sujet, c'est plus un sujet de prévisibilité. C'est-à-dire que ce qui est assez difficile, c'est que
c'est que finalement, bah, il peut y avoir beaucoup de zones affectées. Quel est le timing? Quelle est la prévisibilité des remèdes qu'on va proposer? À quel moment on va pouvoir éventuellement revendre? Enfin voilà. Chez nous, c'est pas le principe. Je pense que le principe, malheureusement, on y est habitué. En revanche, c'est toujours un challenge de le mettre en musique. Avec un process classique, avec aussi la difficulté de communiquer d'une certaine façon, y compris en interne là-dessus, puisqu'on sait très bien que derrière on va avoir peut-être des communications aux autorités. Donc voilà, c'est plus ces questions pratiques qui sont posées que le principe, heureusement. That raises another issue, is if in internal documents, you know, they make hypotheses and they also, they are very educated, they are very sophisticated, and they already think about remedies. And then you have these documents which need to go to the authorities and you already consider remedies. So that's also the other side of the coin, is considering remedies maybe too early, and especially putting them into PowerPoints, is maybe not necessarily the best solution either, even if people are then sensitive to the eventuality of a remedy. So it's, again, you are navigating between the best and the worst, in fact. I would hope that authorities will never punish a company for diligently assessing different scenarios, including, you know, what kind of remedies would we be able to offer. And at least at AB InBev, I'm very involved from the very beginning, especially in strategic mergers, so where there may be a potential issue. And then we work with external counsel, obviously. So remedy planning happens from the beginning, but it's always in a privileged environment. But even if it were not, I would think that it's really in no one's interest that an authority would go after a company or use remedy planning documents against a company, because then that would completely disincentivize any proactive remedy planning. And I think proactive remedy planning is what's needed to accelerate the timelines of review, and then you don't get into issues like gun jumping, for example, because the period of uncertainty is much smaller. Ma remarque va aller un peu dans le sens qui vient d'être dit. C'est en interne, c'est même quelque chose qui nous est évidemment demandé très tôt dans le process, de pouvoir évaluer les possibilités que des remèdes puissent être demandés et de quelle sorte. Évidemment, parce qu'ils ont un impact sur la valorisation de la cible en fonction de ceux qui pourraient être demandés. Les synergies, évidemment, c'est aussi quelque chose qui pourrait en être impacté. Et nous, il y a des cas dans lesquels on est arrêté d'aller dans les opérations puisque les possibilités de remèdes l'auraient rendu pas intéressante au final. Je crois que on n'a pas, en tout cas, pas de difficulté à sensibiliser le top management sur ces sujets-là, et au contraire, ils y voient un intérêt très clair. C'est que plus on l'anticipe, plus on est en mesure de l'intégrer dans la stratégie globale d'approche des autorités de concurrence. On sait que au moment où on reçoit les signaux plus ou moins faibles de ces autorités sur les discussions autour des remèdes, on rentre dans une horloge qu'il faut savoir maîtriser. Vous en discutiez ce matin avec la présidente, il y a des opérations pour lesquelles on ne peut pas se permettre contractuellement une phase 2. Donc je pense que tout ça convient à tous que le sujet soit bien maîtrisé. Et en interne, on a aussi évidemment, quand les discussions deviennent plus on arrive sur le fond, des anticipations très fortes en matière de contenu, évidemment, mais aussi en termes de mise en œuvre opérationnelle après dans ces engagements. C'est des choses qui sont regardées au plus haut niveau, qu'on market test en interne, parce qu'on sait à quel point après ça peut être contraignant de vivre avec des engagements et les modifications ou levées en cours de vie, c'est pas ce qui se passe tous les jours. Does anybody on the panel want to add something on this subject matter, or can I just maybe ask for question of the audience? Yes. C'est en lien avec nous, conseil concurrence, on se rend compte qu'il y a une équipe projet pour l'acquisition,
et puis après il y a une autre équipe qui va être en charge de mettre en œuvre les engagements, qui n'ont pas forcément toujours conscience des problématiques de mise en œuvre de ces engagements. Nous, on sort de la boucle, souvent, enfin de temps en temps en tout cas. Comment vous arrivez à leur faire prendre conscience aux opérationnels de bien suivre ces engagements jusqu'au bout, parfois un an, deux ans et parfois 10 ans? Est-ce que ce n'est pas difficile en pratique à faire? C'est difficile à faire, mais les enjeux sont si importants que, en tout cas, ce n'est pas une question qu'on se laisse le choix de se poser. Les engagements seront, dans leur mise en œuvre opérationnelle, suivis au plus proche. Et si on devait avoir en objectivité un dysfonctionnement à l'exercice de la mise en œuvre de ces engagements, la manière de faire, ça serait de se rapprocher de l'autorité qui, avec lesquelles les engagements ont été pris, pour discuter de la meilleure manière de faire, et ça le plus tôt possible. J'ai souvenir d'un dossier dans lequel l'un des engagements structurels, c'était la cession d'un terrain. Il se trouve que personne, au final, ne s'est intéressé pour le racheter. On en a discuté très tôt avec l'autorité qui était compétente sur le suivi de cet engagement-là, et on a obtenu une levée d'engagement. Donc j'en veux dire que le plus important, c'est évidemment de garder un contrôle en interne sur la mise en œuvre, et s'il y avait des choses qui devaient s'avérer objectivement compliquées, voilà, il y aura des décisions à prendre. Merci Amandine. D'autres questions? Alors je vais terminer notre panel en remerciant tout le monde. Merci beaucoup. Thank you very much for having joined us on this panel. And so I think the next and last event of the day before lunch is our war story, the Essilor Luxottica story.